Monsieur, vous m'espionnez? Ne me pose pas de questions, je demandais avec qui tu parlais au téléphone. Une amie. Une amie? Paul, arrête ta jalousie, s'il te plaît. Je crois que je t'ai demandé de ne pas inscrire des dragueurs dans ce téléphone. Non, tu es une chrétienne et tu dois te comporter telle qu'elle. C'est ici que je suis, quand je suis de passage en ville. Non, monsieur, je ne bois pas d'alcool. Vous êtes enceinte? Pas du tout. Ah, d'accord. Je crois que vous aviez oublié les principes de la boîte. Parce que pour les cadres comme vous, comme ça, tomber enceinte sera énormément préjudiciable pour votre carrière. Ne vous en faites pas, monsieur. Ça n'arrivera pas de si tôt. J'ai confiance à vous. Je sais que vous tenez à cette promotion. Oui, monsieur. Je le veux plus que tout au monde. Prenez donc un peu. C'est de 18 ans d'âge. Il est assez doux. Et vous savez, l'un des principes dans notre multinationale, c'est de ne jamais refuser ce qu'un supérieur vous offre. Ça pourrait l'irriter. D'accord, monsieur. Juste un peu. Voilà qui est raisonnable. Si elle accepte de prendre du whisky et pourtant elle ne consomme pas d'alcool, ça veut dire qu'elle est prête à tout pour ce poste de directrice générale. Je vais donc insister sur le fait de d'abord coucher avec elle. Ça va, Madame Chantal? Vous voyez, ce n'est pas fort comme whisky. C'est juste que vous n'êtes pas habitué. La prochaine fois, vous ne ressentirez plus rien. Mais de quelle prochaine fois il parle? On ne m'y reprendra plus. Bon, Madame Chantal, je ne sais pas si vous avez accepté notre proposition. Oui, monsieur, je veux ce poste à tout prix. J'ai déjà fait tant de sacrifices pour ça. Mais vous ne le voulez pas à tous les prix. Rien que de penser à vos multiples voyages et votre salaire qui sera quadruplé, je pense que si notre serait à votre place, elle aurait tout simplement accepté. Monsieur, je sais. Mais j'ai des principes que je ne peux pas briser. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prête à payer tous les prix. Monsieur, vous le savez, je suis mariée et... Laissez-moi rire. Vous m'avez même fait couler une larme. Et vous dites que vous êtes mariée. Et chrétienne. Je suis au courant de tout ça, madame. Mais laissez-moi vous dire que vous manquez simplement d'ambition. Car ce poste n'est pas pour les faibles. Comment ça, je manque d'ambition? Beaucoup de femmes sont entrées dans ce bureau exactement avec les mêmes propos. Je suis mariée, je suis chrétienne. Elles ont fini toutes sur mon lit. Aujourd'hui, elles sont des cadres supérieurs dans cette multinationale. Monsieur le directeur général, je veux vraiment ce poste. Mais aller jusqu'à coucher avec un autre homme que mon mari, là, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. C'est justement ce que je disais. Que ces mots de marié et de chrétien, ce sont des mots que les faibles emploient. Sinon, ça ne veut rien dire au fond quand vous êtes ambitieux. Je suis confuse. Ne le soyez pas, Madame Chantal. Soyez juste un peu ambitieuse. Même Dieu a dit, aide-toi et le Seigneur t'aidera. C'est du donnant, donnant. C'est dans quel verset biblique? Madame, je vais vous laisser.
Allez encore réfléchir à la maison. Nous en reparlerons plus tard. D'accord, monsieur. Je ne sais pas comment faire pour arriver là-bas. Mais laisse, je vais trouver le temps. Je vais voir comment faire, ne t'inquiète pas. Je vais trouver le temps. Je sais. Je sais. Je trouverai l'argent. Allez, bisous. France, avec qui tu parles au téléphone? Monsieur, vous m'espionnez? Ne me pose pas de questions, je demandais avec qui tu parlais au téléphone. Une amie. Une amie? Paul, arrête ta jalousie s'il te plaît. Je crois que je t'ai demandé de ne pas inscrire des dragueurs dans ce téléphone. Non! Tu es une chrétienne et tu dois te comporter telle qu'elle. J'ai encore beaucoup de travail. Bientôt Chantal rentre. Je n'ai pas encore fini avec le repassage. Seigneur, cette fille va me tuer un jour. Aide-moi. Je ne veux pas tomber. Allô? Comment vas-tu, maman? Oui, tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Comment ça? J'ai pourtant envoyé ça, ça fait déjà 2 semaines. Ok, je vais en parler avec ma femme. Bye. C'est pas possible. Maman n'a toujours pas reçu son mandat. C'est terrible. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Comment était la journée? Ah, toujours si fatigante. Comme d'habitude. J'ai l'impression que tu sens l'alcool. Qui ça? Moi? Tu sais qu'elle ne touche pas à l'alcool, non? Chantal, je sais de quoi je parle. Tu sais qu'avant de venir au Seigneur, j'étais un excellent buveur. Donc, je reconnais ce parfum à des kilomètres. Ah, je vois. Après le boulot, notre directeur général nous a conviés à un after work. Et par erreur, un servant a versé le whisky sur moi. Justement, c'est ça qui sent comme ça. Tu vois que sur ce domaine, je ne me trompe jamais. Désolée, chérie. Tiens, maman m'a appelé. Me disant qu'elle n'a toujours pas reçu son dernier mandat. Aka, ta mère aussi. Elle ne peut pas attendre un peu pour qu'elle aussi a vide d'argent comme ça. Nous ne sommes que le 5 du mois. Ce n'est d'ailleurs pas une obligation. Cet argent qu'on leur envoie tous les débuts du mois. Chantal, comment tu peux dire que ma mère a vide d'argent? Et pourquoi à peine le 5 a sonné, elle appelle déjà pour se plaindre? Je ne veux pas qu'on se dispute pour rien. Ce n'est pas ma mère qui a appelé, mais plutôt la tienne. Elle dit qu'elle n'a toujours pas reçu son mandat du mois passé. Pardon? Elle n'a pas reçu l'argent et elle n'appelle pas? Si. Elle dit qu'elle appelle, tu ne décroches pas. Tu ne rappelles même pas après. Mais, donc Toby ne lui a pas donné l'argent de ce mois? Ton frère là, quand il ne coupe pas la moitié de l'argent, il prend tout. C'est formidable. C'est ça. Quand il s'agit de parler des autres, tu es fort. Tes soeurs sont là, elles ne sont pas mariées. Elles ne savent que monter et descendre. Je vois que le travail te donne vraiment
trop de pression ces temps-ci. Tu sautes de quoi, Kalan? Sans transition. Je vais te laisser prendre ta douche. Je vais méditer au salon. Monsieur. Merci, France. Sinon, j'espère que tu prends tes pilules. Ça va déjà? Ça va. Je les ai pris. Et vous? Moi, quoi? Vous n'êtes plus en colère. Oui, ça va. En passant, j'ai quand même oublié dit que le pasteur voulait te voir. Dimanche après l'église. Il souhaite que tu intègres l'équipe de la louange. Waouh! Merci, Seigneur. Mais, monsieur, avec ce qu'on a fait deux fois là, est-ce que le Saint-Esprit est encore moi? Tu es chrétien en vie. Tu as renoncé en Christ? Non. Donc, tu es chrétien en vie avec le Saint-Esprit qui parle en toi. Viens ici. Et si madame me voit proche de vous? Je te montre juste la parole. Rien de grave. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Tu vois ce que je te disais? Il suffit qu'on arrête de le faire, Dieu nous pardonnera. France! Qu'est-ce que tu fais là? Ça va chérie. Je voulais juste qu'elle dise un passage biblique. Bon, tu peux aller dresser la table. Désolée, chérie. Je me suis juste emportée. Ça va, je sais, ça va. J'ai eu maman au téléphone. Il faut qu'on envoie déjà un autre mandat. Ok. Mais que ça ne passe plus par Toby, hein? Effectivement, chérie. J'étais dans la chambre de France tout à l'heure. Et j'ai trouvé ceci. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la pilule du lendemain, non? Seigneur! Qu'est-ce que ça fait dans sa chambre? Je ne sais vraiment pas. Mais j'espère que le jour où elle disait qu'elle était malade ici, que ce n'est pas ça qu'elle allait acheter en pharmacie. J'espère moi aussi.